Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans cette émission Enquête Spirituelle. On est parti ce soir pour une nouvelle émission. Comment ça va, Amy? Ça va bien. Et toi, Laurent, comment ça va? Bah, ça va super, ça va super. On est parti pour une nouvelle émission ce soir, donc en direct sur Facebook, on est également en direct en live sur YouTube. Vous avez tout pour nous regarder, hein, c'est simple, vous allez dans notre page Enquête Spirituelle. Vous pouvez même commenter en direct, il y a déjà des gens qui ont commenté avec pour notre invité de ce soir, que tu vas présenter, Amy. Oui, là on reçoit ce soir une médium, Maud Descamps, qui vient du Pas-de-Calais, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, on s'est pas très loin de la frontière belge. Oui. Et ce soir, on parle de la médiumnité en général. Tout à fait. Voilà, vous allez vous présenter, expliquer votre parcours, oui. Comment ça vous est venu. Oui. Et puis après, on répondra aux questions des auditeurs. Et d'accord, très bien. On verra bien comment ça se passe. Et des téléspectateurs aussi, parce qu'il y en a. Ah oui. On oublie qu'on est filmé. On est filmé, hein, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, surtout à ce qu'on voit à l'image. Alors, ben Maud, je sais, comme Emile a dit, votre parcours, comment vous en êtes arrivé à devenir médium, entre guillemets, si on devient médium, je ne suis pas certain. Bon. On le devient, mais bon, pour ma part, je suis arrivée dans cette vie avec ces bagages-là, en fait. Hein. Je pense que de naissance, alors évidemment, je m'en souviens pas, parce que quand on est, on se souvient pas, mais mon premier souvenir, j'avais 5-6 ans et je m'amusais dans la neige avec ma sœur et j'avais pas de gants. Et en fait, on s'amusait à tirer un élastique vraiment au plus loin possible. Et là, j'ai entendu « cesse tout de suite, t'as pas mis de gants, tu vas te faire du mal ». Donc c'était normal pour moi. Aujourd'hui, je sais que c'est ma grand-mère qui me parlait. D'accord. Mais à l'époque, c'était normal. Donc ça a avancé comme ça et puis j'en parlais à personne. Je savais des choses à l'école sans savoir comment ni pourquoi. Je savais me rendre invisible aussi quand j'avais pas appris ma leçon. Je savais me rendre inexistante. C'était je découvrais tout doucement. Et puis à 10 ans j'ai ma maman qui attendait mon beau-père et là on me dit à l'oreille. Elle attend pour rien, il vient d'avoir un accident grave et il est hospitalisé. Donc moi, je regarde ma maman et je lui dis. Donc j'ai été punie, elle m'a mise dans ma chambre et elle m'a dit, je disais n'importe quoi. Sauf que 30 minutes après, à peu près, les gendarmes m'ont appelé et ont dit ce que j'avais dit. Donc là, je me suis dit, bon, il y a des choses, c'est bizarre, hein, mais voilà. Donc j'ai plus voulu en parler à personne pendant un moment, mais je vivais avec la peur du noir. Je voyais, il y avait des apparitions. Une fois aussi avec un chien, le chien de mon père. On vivait pas ensemble. J'ai vu, en fait, il était pas chez moi, mais il me manquait. Et en fait, j'ai pensé à lui et il est arrivé jusque moi. Mais j'étais réveillée, hein, c'était vraiment sûr et certain. D'accord. Et je l'ai caressé. J'ai pas compris. Le lendemain matin, je dis à ma mère, le chien était là ou, hier soir, elle me dit, non, il est chez ton père. Et en fait, j'ai vraiment senti. Je l'ai vraiment caressé. Donc d'accord. C'était vraiment particulier. Ça m'a fait bizarre. Mais bon. Et encore une fois, elle m'a dit. Tu dis des bêtises. Oui. Voilà. Et puis, ma mère avait rencontré une dame qui faisait du spiritisme, mais du mauvais côté. D'accord. Maintenant, je sais que c'est du mauvais côté, mais j'étais très attirée. En fait, j'étais jeune, hein, j'avais 11-12 ans, et j'allais très souvent chez elle, et le monsieur avec qui elle était, il était très mauvais. Et en fait, quand il me regardait, il sentait quelque chose en moi, mais je le gênais. Et j'ai eu ce besoin de trouver une croix, donc je l'ai mise. Et ce qui est bien, je me suis sentie protégée quand je l'avais, et j'ai commencé à me rendre compte que ce que j'avais, c'était, ce monsieur l'avait aussi, mais du mauvais côté. Donc je me suis dit, c'est peut-être, il faut que je trouve quelqu'un à qui en parler. J'ai jamais trouvé. Et ça a été un grand, pour moi, ça a été difficile. Donc jusque mes 15 ans, où je rencontre le papa de mes enfants, j'ai vécu plein de choses, mais sans le dire à personne, je me suis dit, je sentais les morts. Enfin, c'était vraiment... Jusqu'à mes 15 ans, où j'ai rencontré le papa de mes enfants. Et il y a des personnes qui sont décédées dans sa famille, et notamment sa grand-mère, qu'il avait même, lui, pas connue, qui est venue me voir. Elle m'a fait voir, elle était dans son cercueil, elle m'a parlé, elle m'a donné un message. J'ai dit, bizarre, donc j'ai demandé à sa maman en fait de me donner une photo de sa grand-mère. D'accord. Et c'était elle. Donc elle m'avait je l'ai transmis. On m'a dit que je disais des bêtises. Ok. Si personne qui me croit. Et puis voilà. Après les années ont passé, je me suis tue et j'ai vécu des choses difficiles aussi dans ma vie de femme. Un jour j'ai eu une apparition en fait d'une dame tout en blanc qui était dans ma chambre. Je dormais pas. Hein, j'arrivais pas. Elle était en haut à droite et elle m'a dit tu peux te rassurer, tout va bien aller.
Donc j'ai dit bon, mais seulement à cette époque, il y a eu énormément de décès dans la famille de mon ex-mari qui ne croyait en rien. Ils étaient tous à la maison. Et en fait, ils traînaient les chaises, ils me transperçaient, ils empêchaient ma fille de dormir, ils venaient me chercher dans mon lit, on me disait tu te lèves, t'écris. C'était vraiment très compliqué. Et comme mon ex-mari croyait en rien, il a commencé à paniquer un petit peu. Mmh. Et donc, il me disait que c'était de ma faute. Donc, c'est pareil, ça a été aussi difficile. Il faut savoir que jusque-là, moi, je ne savais pas que j'étais médium. Hein. Ce mot-là, il était vraiment inconnu pour moi. Enfin, c'est vraiment... Et puis un jour, j'ai pris le train pour aller travailler, il y a quelques années. Hein. Et puis je me suis dit, mais pourquoi j'ai ça et ben, qu'est-ce que je vais en faire et pourquoi j'ai vu autant de choses difficiles dans ma vie. Et puis on m'a dirigée en sortant du train au furet. Et je me suis retrouvée dans le rayon boutique, enfin de livres ésotériques, pardon. D'accord. J'ai pris un livre, on m'a guidée, hein. J'ai juste ouvert le livre à une page, et sur cette page-là, c'était une médium qui avait vécu exactement la même chose que moi, et qui avait posé la même question à ses guides. Et comment dire, sa guide lui répondait qu'en fait, quand tout va bien, on n'apprend rien. Donc j'ai compris à ce moment-là que toutes les difficultés que j'avais vécues, ben, c'était pour une raison. Mmh. Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Et j'ai 42 ans, je m'assume depuis 4 ans seulement. Ok, voilà. D'accord. Et j'ai jamais rencontré personne, ça peut rassurer aussi certaines personnes qui m'ont dit que j'étais médium jusqu'à il y a 4 ans. Ok. Ou une médium, je suis allée voir juste pour un contact défunt avec ma grand-mère, mm-hmm. et qui m'a dit, vous êtes comme moi. Donc elle m'a donné la photo de ses parents. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle me dit, regardez, dites-moi. Et j'ai entendu les prénoms, les causes des décès, enfin voilà, tout ça. Et c'est venu comme ça. Ok. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, parce qu'elle est très importante, j'ai, assisté, enfin, mon oncle sur la fin de son cancer. Donc, on était tous autour de lui à le veiller. Et puis, j'ai mon cousin qui s'est levé pour dire, je prends ma douche, mais la douche dans la chambre de l'hôpital, hein. Il avait démissionné, je crois, pendant un an, il avait accompagné son papa. Et au moment où il dit « je me lève et je vais dans la douche », là, on me dit « surtout pas parce que dans 5 minutes, il est parti ». Et là, je me dis « il n'y a personne qui sait ce que je suis, qu'est-ce que je fais, on va me prendre pour une dingue ». Et puis, je l'ai laissé rentrer. Et au bout de 2 minutes, on a insisté très, très fortement. Et j'ai dit « bah tant pis, on prendra pour une dingue ». Mais je lui ai dit « il est sorti et 2 minutes après, il est parti ». Donc encore aujourd'hui, si j'avais pas été là, si j'avais pas été ce canal, il n'aurait pas assisté aux dernières minutes de son papa. Ouais. Donc là, ce jour-là, j'ai dit « faut que t'en fasses quelque chose ». Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Très intéressant et émouvant, parce que quand on vit avec des choses comme ça et qu'on peut pas en parler, maintenant c'est vrai qu'on s'ouvre beaucoup... À ce monde-là, c'est plus facile avec les médias, mais j'imagine qu'à l'époque... Il n'y avait pas tout ça. Puis c'était tabou, surtout que je suis d'une famille, j'ai ma maman qui est d'origine algérienne. Après, une fois qu'on est dans les... Enfin, c'est difficile de leur côté. Ma mère, c'était plus du domaine de la sorcellerie, tout ça. Donc vraiment, je me taise. Et je me souviens qu'elle avait même fait intervenir quelqu'un une fois pour me faire retirer ce que j'avais. D'accord. Donc... Ça n'a pas fonctionné. Pourtant, je lui ai dit oui, parce que j'en avais un peu assez d'être habitée comme ça chez moi. Hein, parce que même ma petite, ma première, elle avait 2-3 ans. Je me souviens d'une fois, je l'ai trouvée dans mon salon et je lui ai dit pourquoi t'es pas venue dans la chambre. Et elle m'a dit, il y a des gens qui m'ont empêchée. Donc voilà, c'était... Ouais. Pas évident, mais c'est comme ça, on dira. On n'apprend rien quand tout va bien. Cette phrase-là, je l'ai notée et puis bien, je la retiens bien. D'accord. On poursuit Bien sûr. Bien sûr, moi j'avais une question. Point de vue, une question précise que j'aime bien poser. Parce que beaucoup de médiums, j'entends, ils disent « Ah, j'entends ceci, on me dit cela ». Moi j'aime bien poser ça à tous les médiums bien qu'on sûr. Connaît. Quand vous dites que vous entendez, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est vraiment une voix, ça vient de loin ou c'est... Bah ça dépend. Moi je sais que j'ai déjà entendu mon guide extérieurement en tant que voix comme nous. Mais c'était plus dans les conseils pour moi. Maintenant, quand je suis en consultation, quand je dis on me dit, c'est quelque chose de subjectif. Ça vient de loin. C'est derrière, en fait. C'est comme une pensée en 3D. Comme quand on voit un défunt, voilà, ça se pose devant. Et moi, quand j'entends, je sais si c'est mon mental ou si c'est mes guides, parce que c'est pas le même côté. Voilà, tout simplement. Et quand je dis, c'est comme une pensée qui s'imprime. Mmh. Voilà, c'est ça, en fait.
C'est vrai que c'est particulier hein, quand on dit, on me dit, ou j'entends. Oui, oui. Mais on a vraiment. Parce que, autant quand on dit je vois, c'est avec le troisième œil, mais je pourrais dire aussi qu'on n'a pas une troisième oreille, mais bon. Une oreillette interne. Parfois, je le dis hein, pour plaisanter. Ouais, dans mon oreillette, on me dit, mais voilà, c'est ça. D'accord. Donc au début où vous avez découvert votre don, ça devait quand même faire peur. Vous entendez des voix, on dit oula, où on se retourne, on dit, tiens, ouais. Y a quelqu'un qui m'a parlé ou... Moi dans mon cas non, parce que en fait c'est comme j'ai toujours connu ça, c'était naturel. D'ailleurs j'estime que la médiumnité c'est pas un don ni une faculté. Je pense que c'est quelque chose qui on est comme ça, on est des êtres spirituels. C'est juste que pour moi la sociabilisation, les schémas familiaux, religieux, tout ça nous empêche, enfin nous disent, nous met dans un carré, dans une boîte, et que la limite, elle va pas au-delà de nos propres croyances. C'est tout, on doit penser comme ça, alors que tout est naturel. Hein. Mmh. Je veux dire, la clairvoyance, c'est l'extension de la vue pour moi. La clairaudience, c'est l'extension de l'ouïe. Quand on sent, c'est juste l'extension des sens qui sont déjà existants, hein, c'est tout. Hein, c'est pas, il n'y a rien de... Voilà. Peut-être. Oui. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est non. Pour quelqu'un qui ne l'est pas. Oui. C'est quelque chose de difficile à comprendre. C'est ce qu'on essaie de faire passer justement dans l'association. Moi, c'est ce que j'aime bien faire justement, c'est de trouver un peu l'aspect concret de la chose. Ouais. Parce que voilà, on a aussi eu une autre expérience et on a connu beaucoup de gens qui disaient, oh, on me dit que. Et au final, c'était plus dans la tête, quoi. C'était. Mais après, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de monde qui met du sensationnel là où il n'y a rien de plus naturel. Voilà, le mot est là. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'après, on est décrédibilisé, il y a plein de choses qui font que, et ça fait trop, il y a une évolution certaine, parce que là, pour moi, le taux vibratoire de la Terre augmente, donc les gens, ça c'est avec les prises de conscience des personnes, mais c'est par rapport à tout, donc et il y a plein de personnes, et surtout avec Facebook, je trouve qu'il y a eu un gros, donc il y a un gros n'importe quoi, enfin, moi pour moi, c'est comme ça, bon après c'est Facebook, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de... On met trop de sensationnel, voilà, tout simplement. D'accord. Et du coup, alors c'est ça qu'on en parlait en voiture, en venant tout à l'heure. C'est vous qui aviez mis une vidéo sur Facebook qui parle justement de ça par rapport, entre guillemets, au réseau social en tant que tel, où en fait, personne ne cède vraiment. C'est chacun pour soi, c'est voilà, on va mettre un statut, tiens, est-ce que vous connaissez la réponse pour tel type de problème, et chaque fois les gens vont aller en chérir, enfin moi c'est ce que je vois aussi, moi aussi j'ai tel problème, ah moi j'ai un autre problème, etc. Et au final on n'a jamais la réponse. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai mis ça parce qu'en fait je trouvais dommage, à chaque fois que je lis un post, ça peut être quelqu'un qui est très content parce qu'elle vient d'avoir un beau signe, ou bien enfin c'est son expérience qu'elle partage sur Facebook. Les gens, jamais il y a, alors c'est pareil, c'est une généralité, c'est que tout de suite, ils sont là pour répondre de leur expérience. Oui. Mais en aucun cas, ils vont prendre en considération le poste pour encourager la personne ou bien être dans la compassion par rapport à ce qu'elle dit. C'est tout de suite, on met les expériences. Moi, j'en ai aussi sur ma page en général. Enfin, voilà, après, je prends les gens comme ils sont, mais je trouve dommage. C'est tout. Parce que du coup, il n'y a pas la communication qu'il devrait y avoir, le réel échange. Voilà, c'est dommage. Mais. C'est comme ça. L'appel est lancé. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. C'est souvent comme ça. Même quelqu'un qui est en détresse, entre guillemets, qui demande de l'aide, bah, voilà, chacun parle pour soi et au final, c'est pas social. Quoi. Puis 300 commentaires plus loin, on n'a pas avancé. Hein. Non, c'est sûr. Ça, la personne n'allait pas aider. Au contraire, elle est toute déstabilisée parce que chacun y met ses experts. Alors, évidemment, dans les 300 commentaires, il y aura certainement des commentaires qui seront pertinents et qui seront bons. Et il y en aura combien qui auront servi qu'à une chose, c'est déstabiliser la personne. Ça, c'est le problème aussi des groupes qui existent sur Facebook. Des groupes vraiment où il y a de l'entraînement à la médiumnité et tout ça. Ça, il y en a, mais je trouve ça dangereux parfois. J'ai déjà constaté des choses. Je me suis sortie de tous ces groupes parce que je vois des choses qui sont très dangereuses. Ouais. D'accord. Mais on en parlera justement dans quelques petits instants. On marque une première pause dans cette émission Enquête Spirituelle. On se retrouve dans 3 minutes 24, très exactement. We'll be right back.
De retour dans cette émission Enquête Spirituelle. J'espère que vous allez bien ce soir ou ce jour, parce que c'est vrai que vous pouvez nous regarder en replay sur YouTube et également dans notre podcast sur iTunes. Tout se fait automatiquement. Vous inscrivez, c'est gratuit. C'est très simple. Vous abonnez également à notre chaîne. C'est tout simple. C'est Enquête Spirituelle. Et vous allez sur YouTube et là, on est en live sur Facebook et on vous remercie de votre présence. Et d'ailleurs, il y a des commentaires. Déjà des questions, enfin il y en a eu plein, on va en faire une à la fois, il y en a beaucoup aujourd'hui, donc Amy je te laisse... Oui, alors bah, déjà le thème c'est la médiumnité en général, sommes-nous tous médiums? Et une personne hier demandait si elle était médium elle-même. Comment, donc comment savoir si on l'est, est-ce qu'on l'est tous? Bah, tous oui, on l'est, plus ou moins. Maintenant, j'emploie toujours une métaphore, c'est que une bonne cuisinière n'ouvre pas nécessairement son restaurant. On est tous, parce que si on est cohérent, enfin moi c'est ma façon de, je vais préciser une chose, c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Ça j'aime le dire très souvent, c'est qu'il y a plein de possibilités et qu'on est tous avec des vibrations différentes et chacun se retrouve. Donc voilà, en aucun cas ce que je dis c'est voilà, c'est la vérité. Maintenant oui, on est tous médium pour moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est la sociabilisation qui fait que au bout de 7 ans, il y a quelque chose qui... À l'école, on nous apprend comment on doit se comporter avec les autres, comment, voilà, et puis comment on doit... Et ce qu'on doit croire, surtout. Donc là, ben, il y a des personnes qui se ferment complètement, et puis qui oublient un peu, qui, comment dire, plus tard, redécouvriront leur don par un choc, par un décès, enfin, voilà. Mm-hmm. Et après, il y en a d'autres qui s'intéresseront et qui s'ouvriront un petit peu à tout ce qui est spirituel et qui retrouveront leur origine, en fait, parce qu'on l'est tous. Si on est cohérent, moi, je crois en la réincarnation. Donc, si on se réincarne pour vivre des expériences, on garde un certain savoir. Maintenant, à notre âme de s'en souvenir. Mais c'est sûr que si on a ce côté mental qui est très fort... Mais le côté spiritualité, il a un petit peu plus... du coup, on oublie un peu la médiumnité. Mais oui, on l'est tous. D'accord. Et comment on le découvre? Ben, je dirais que c'est... déjà, ça commence par l'intuition. On ressent des choses. Mais je pense que profondément, on doit le ressentir si on l'est. Parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales quand on a des messages. Par les rêves aussi, hein, il n'y a pas de moyen meilleur et moins bon. Parce qu'il y a des personnes qui sont médiums et qui n'ont de messages que par les rêves. Mm-hmm. C'est un moyen que leurs guides ont décidé d'utiliser. Hein, c'est, voilà. Et... comment dirais après comme je dis souvent par rapport à la médiumnité, ce qu'il faut c'est pour savoir réellement si on l'est, moi je conseille de consulter un médium. Voilà, tout simplement. Et puis, comment dire, de lire un maximum de choses là-dessus. Et puis, on va se retrouver de toute façon. Et de toute façon, c'est très bien fait parce que les guides fonctionnent comme un petit poussé. Et en fait, on met des graines. Enfin, il y a des petits bouts et on ramasse petit à petit. Et c'est comme ça qu'on découvre si on l'est. D'accord. Alors, c'est sûr que on n'est pas médium parce qu'on voit que des heures miroirs. Parce que ça, j'y tiens parce que je l'ai très souvent. Mm-hmm. Hein. Mais on ressent des décès. Il y a des odeurs qu'on ressent aussi alors qu'il n'y a pas lieu. On sait des choses sans savoir pourquoi. Ça, très souvent, c'est de la clairconnaissance. Et c'est très souvent... la clairconnaissance, elle arrive très souvent parce qu'en fait, on n'arrive pas à libérer son mental. Donc, le guide arrive et pose une idée toute faite dans la tête. Mais c'est un moyen aussi. Voilà. D'accord. Et ensuite, on peut la développer, cette médiumnité. Oui, tout à fait, en travaillant. Mmh. En travaillant beaucoup, en lisant, en s'entourant de bonnes personnes. Mais surtout, j'ai envie de dire, pour bien développer la médiumnité, il y a une chose qui est importante, c'est de s'ouvrir à la spiritualité. Pourquoi je dis ça? Parce que dès qu'on s'ouvre à la spiritualité, on descend en soi. Et que très souvent, tout le monde cherche les réponses à l'extérieur. Mmh. C'est bien, il faut, d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'abord de découvrir, se découvrir soi. Parce que ça, on l'oublie. Ça, c'est la façon dont on vit, hein. Parce que dès qu'on est à l'école, on nous dit, on nous apprend à respecter les autres, à comment on doit se comporter avec les autres, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Mais en aucun cas, on nous apprend à descendre en soi et à se connaître, à savoir ce qu'on veut et qui on est. Donc en faisant ça, je pense que quand on descend en soi, on arrive beaucoup mieux à s'ouvrir à tout ce qui est, on va dire paranormal, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on emploie comme terme. Mais moi, je pense que c'est la première des choses à faire pour développer la médiumnité. D'accord. Faire le silence en soi, se découvrir, s'entourer des bonnes personnes. Oui. Et puis, je pense que c'est un très très bon moyen. Apprendre à se protéger également. La protection, elle est très importante, mais
la protection, je dis très très souvent, on utilise, il y a beaucoup d'encens, il y a des pierres, il y a plein de choses, mais la meilleure des protections, c'est soi-même. Parce qu'encore une fois, si on met plein d'encens, qu'on fait plein de choses, hein, parce qu'il y a vraiment un nombre incalculable de méthodes de protection, si dans son cœur on n'est pas bon, c'est comme si on nettoyait sa maison avec des bottes pleines de boue, tout D'accord. simplement. Donc la meilleure des protections, c'est soi-même et c'est sa vibration. D'accord. Okay. Au plus où on sera, au mieux on sera protégé. Mais pas intouchable. On ne l'est pas. Ouais, je dirais, non, c'est pas, c'est important parce que pour ceux qui connaissent Padre Pio, c'est quand même quelqu'un, un saint homme pour moi. Le soir, il se battait quand même avec des forces maléfiques et tout ce que vous voulez. Donc, et si lui n'était pas protégé, il n'y a personne qui l'était. Hein, donc, voilà. C'est ce que vous disiez un peu au début avec votre parcours. Donc, il y a le bon côté et le mauvais côté. Ouais, Quel est le mauvais côté pour vous, alors? Bah, le mauvais côté, c'est tout ce qui fait peur. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie aussi du développement dans la médiumnité. C'est que la première des choses, c'est d'apprendre à maîtriser sa peur. Parce que, alors, ce que je vais dire, c'est bizarre, mais la peur n'existe pas. C'est fabriqué par le mental parce qu'il y a une situation inconnue. Donc là, on se dit, oulala, il y a danger. Donc au plus on va le connaître, au plus on va s'intéresser, au plus la peur elle va disparaître et au mieux... Et ça, c'est pareil, ça fait partie de la protection. Hein, c'est, parce que si on a peur, on attire ce dont on a... Mais aussi, la peur, c'est formateur. Hein. Donc voilà. Et le mauvais, moi, j'ai eu des mauvaises expériences parce que je suis croyante. Enfin, j'ai la foi. Parce que la croyance, c'est, ça peut du jour au lendemain partir, que la foi, c'est profond. D'accord. Et je parlais à un moment beaucoup de Dieu, et on est venu en pleine nuit, hein, j'ai quelqu'un qui est venu sur moi m'empêcher de bouger, et une force au-dessus de moi très très sombre, et il m'a réveillée, hein, ça a été... quand j'y pense encore, ça m'a fait très très peur et il m'a dit tu vas cesser tout de suite de parler de Dieu. J'étais un peu trop à ce moment-là dedans, mais bon, ça m'a pas... c'était impressionnant. Le mauvais, c'est ça, vous voyez. D'accord. Pour moi. J'en garde un très mauvais souvenir, mais bon. C'est formateur aussi. D'accord. Ensuite, les questions qu'on avait, c'est sur nos guides. Oui. Donc, vous parlez de guides, donc, que vous entendez, ce sont des êtres... de lumière, enfin, moi, j'ai... invisibles. Ouais, c'est une énergie pour moi. Mm-hmm. Après, il n'y a pas vraiment de prénom, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent les prénoms des guides. Alors, ce que je vais dire, ça va peut-être faire sourire, mais moi, je ne donne pas nécessairement de prénoms de guides, parce que je pense que si vous avez envie de les appeler casseroles, j'ai entre guillemets pour rigoler, ils s'en fichent. Eux, ils sont là pour... C'est nous qui avons besoin de matérialité aux choses. On a toujours besoin, mais de l'autre côté, ils s'en fichent. Ils sont juste dans la bienveillance, la compassion, l'accompagnement, et dans l'amour surtout. Donc, ils sont là pour nous aider. Et donc, c'est des... Enfin, moi, de ce que je vois, c'est des êtres... un être de lumière. Par contre, je ne l'ai jamais vu. Hein? Ma fille est médium aussi. Ma petite dernière, elle a déjà vu son guide. Moi, je ne l'ai jamais vu... Enfin, en face, voilà, j'ai juste entendu. Vous l'entendez. D'accord. Je sais qu'il est là, parce que j'ai un mode de fonctionnement avec lui qui fait que quand il est là, j'ai un signe physique. D'accord. Et ça, c'est mon mode de communication avec lui. D'abord, c'est ce que j'invite à faire les personnes, parce que très souvent, on me dit, ben moi, mon guide, il me parle pas. Il faut aussi intégrer une chose par rapport au guide, c'est que les guides ont tous des fonctionnements différents, des moyens de communication différents. Et ça, c'est pareil, ça peut être un frein à la médiumnité quand une personne dit... Telle personne, elle entend, son guide lui parle, donc moi, il doit me parler. C'est pas comme ça. Les guides fonctionnent différemment. Donc, voilà. Et puis après, on doit les... Par rapport au guide, en fait, ce qu'il faut et ce qui est important, moi, c'est un petit conseil que je vais donner là, juste pour les personnes qui regardent, pour les ressentir, c'est s'asseoir sur une chaise à pieds nus et se mettre en position alpha, comme on dit. Donc, la position alpha, c'est en état de réceptivité, une grande respiration. Et puis, demander au guide simplement un signe physique qui fera que quand vous avez une question à poser au guide, eh ben, ce signe physique, vous allez le ressentir. Donc, ce sera votre moyen de communication avec les guides. Voilà. D'accord. J'ai une petite question, là, si j'ouvre le micro, c'est mieux. Par rapport au guide, parce qu'on entend beaucoup, enfin, moi j'ai entendu, et certainement vous aussi, des gens qui disent, ah, j'ai un message ou j'ai un guide qui me dit, mais c'est genre Jésus, c'est Allah, tout ce qu'on veut, des grands, des personnes connues, etc.
Qu'est-ce que vous en pensez justement de tout ça? Alors moi je vais vous dire, sensationnel encore. Bien sûr. Ouais. Alors ça peut. Moi je mets toujours des doutes parce qu'en fait je suis peut-être médium, mais j'ai ce côté rationnel aussi. J'aime bien voir tout le côté, rationaliser la chose avant de partir dans tout ce qui est comme ça un peu perché comme on dit. Mais ce genre de message, moi je fais de l'écriture automatique, intuitive. J'ai déjà eu des messages d'amour. Où c'était signé Ange Gabriel. Maintenant, moi, je mets des doutes. Voilà. Je veux pas le croire. Je pense que c'est plus important d'avoir d'émettre un doute, et nous en voudrons pas d'ailleurs, d'émettre un doute sur la personne qui, enfin, l'énergie qui nous transmet un message, plutôt que de croire. Parce que j'ai beaucoup de mal. Après, je dis pas non parce que je détiens pas toutes les vérités, comme personne d'ailleurs. Hein, mais ça me paraît. Ils sont tellement haut placés en termes de vibration. Oui. Après, je sais que ma petite, ma fille, elle a vécu un moment très très difficile. Elle m'a dit avoir vu Jésus qui est venu lui parler. Enfin, c'est l'énergie en fait. Hein, elle lui a dit quelque chose. Donc après, comment ça se passe? Là-dessus, j'ai pas la réponse. Voilà. Mmh. Je me dis, il y a à prendre et à laisser. D'accord. Ouais. Donc on a tous un guide ou plusieurs? Un ou plusieurs selon ce qu'on est amené à faire dans la vie. Tous un, c'est certain. D'accord. Maintenant, ils changent aussi en cours de route parce que selon l'évolution. D'accord. Donc ça aussi, parfois, faut pas paniquer, parce que moi, je le dis par expérience, c'est que j'ai changé de guide, même si j'étais pas d'accord. Hein, donc dans ces moments-là, on sent l'énergie partir. Et puis aussi, on a un moment de vide. On se dit, mince, j'ai tout perdu, il y a quelque chose qui va pas, comment ça se fait? Mais c'est juste parce qu'il y a un moment de transition. C'est la transition. Il y a la transition des guides, et à ce moment-là, on vous demande, on vous dit, c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est vous avez acquis certaines choses, c'est bien d'avoir emmagasiné, mais maintenant, il faut mettre en application. Donc, on a le moment où on sent justement ce battement, mais c'est des moments perturbants, le changement de guide. D'accord. Donc, il y a un guide qui a une mission, vous amener à un point, d'un point A à un point B, une fois que le point B est atteint, voilà, on fait échange comme ça. À d'accord. Chaque fois, ils évoluent et ce sont des guides qui sont beaucoup plus évolués à chaque fois. Ok. Voilà. Et que ça peut être un être proche qu'on a connu. Oui, pas forcément, mais comme moi j'ai ma grand-mère avec moi qui est décédée, j'avais 2 ans. C'est un guide protecteur, donc là elle va être dans mon quotidien. Elle, c'est vraiment, elle est là pour me faciliter ma vie, mais vous imaginez même pas à quel point, c'est juste magique. Et après j'ai mes guides spirituels qui eux sont vraiment, et d'ailleurs quand on me parle. Mais quand j'entends, je vois la différence si c'est ma grand-mère ou si c'est mes guides. Les guides spirituels sont beaucoup plus. Ils vont pas vous faire de longues phrases, ils vont pas partir dans des explications. C'est vraiment des conseils, des choses. Voilà, c'est comme ça, c'est droit. Et puis ils sont tranchants, j'ai envie de dire. Ouais. Ils vont pas perdre leur temps. C'est qu'un guide protecteur, un guide qui fait partie de la famille qu'on a connu, c'est différent. Ouais. Il prend un peu plus de gants pour faire ressentir. Mais ils ont une très grande patience, j'ai envie de dire. Il y en avait une question de Gladys. Donc, elle disait que c'était difficile de différencier le mental et les guides. Ouais, tout à fait. Donc, et c'est là le travail. Donc c'est pour ça que la spiritualité est importante dans ce domaine-là, justement. Parce que dès qu'on rentre dans la spiritualité, comme je disais tout à l'heure, on rentre en soi. Et donc le mental se tait. On a un côté, j'image comme ça, il y a un côté spiritualité esprit, il y a un côté mental égo. Et quand le côté mental égo est trop développé, le côté spiritualité esprit prend moins de place. Donc il faut arrêter d'être dans le mental. C'est facile à dire, on est tous humains, donc voilà. Mais la première des choses pour arrêter d'être dans le mental, c'est de vivre l'instant présent et de s'ancrer. C'est vraiment un très très bon moyen, l'ancrage. D'accord. Je sais que c'est facile à dire, mais bon. Il y avait d'autres questions, mais j'en ai, si tu les as pas là, sous là. Il y avait une question de Marie tout à l'heure. Est-ce que les messages arrivent-ils pour nous annoncer des catastrophes ou alors les éviter les catastrophes, ou est-ce qu'y a-t-il des messages conseils aussi qui peuvent arriver? Il y a de tout, messages conseils. Alors après, ça va dépendre de comment nous, on ressent la chose, et c'est ça qu'il faut faire attention. Très souvent, moi c'est pareil, il y a des gens qui me disent, j'ai reçu ça comme message, qu'est-ce que j'en fais? Mais ce qui est important avant tout de poser la question, c'est de se calmer 5 minutes et puis de ressentir le message. Est-ce que le message, on le prend pour un avertissement? Et c'est avant tout, c'est soi qu'il faut s'écouter. Comme je disais tout à l'heure, les réponses, elles sont toujours en soi. Après, il y a des messages qui sont
qui seront, parce que c'est mon expérience aussi, qui sont là pour vous faire voir que vous êtes capable. Moi, j'ai eu beaucoup de messages par rapport aux attentats, malheureusement, où j'ai même vu ce qui se passait. D'accord. J'ai même eu, enfin, mais je pouvais rien faire. J'avais que la moitié des éléments. Mmh. Vous voyez. Donc je me suis dit, mais pourquoi on me donne ça puisque je peux rien faire. Mais après j'ai compris. J'ai eu le message quand j'ai demandé. Je me suis connectée et c'est simplement déjà je pouvais rien faire parce que personne ne peut rien faire. Mais c'est simplement pour me faire voir. Tu es capable. Enfin voilà. Donc d'accord. Maintenant avance. Il y a aussi des messages qui servent. Ouais. Des juste petites preuves pour se donner confiance. Oui, tout simplement, et pour et faire continuer. Voir que, pour nous faire avancer sur ce chemin, qu'on est bien sur. Parce que moi, j'ai eu plein de doutes. Hein. Donc, tout le temps. D'ailleurs, le doute, c'est aussi l'humilité. C'est aussi. On dit qu'il faut se faire confiance. Oui, il faut se faire confiance, mais il faut avoir cette petite part, quand même. Pas se sentir tout puissant, parce qu'on ne l'est pas. Et j'imagine que vous avez plus confiance en vous, en vos capacités, quand c'est pour aider quelqu'un. Que pour vous-même. Ah ben pour souvent c'est comme ça. Pour moi-même, c'est le... c'est compliqué, on dira. C'est voilà, quand on sent un peu seul, on vit des moments de solitude, on se dit j'arrive à aider, guider tout le monde. Alors moi, c'est. Par contre, dans le quotidien, je vais vous donner une anecdote. Hein. C'est par exemple la dernière fois, je suis partie pour la journée en Belgique justement. Je ferme ma porte. Double tour, et on me dit ta porte n'est pas fermée. Et j'étais pressée, hein, donc je dis non, je viens de la fermer à double tour, c'est bon. Je suis arrivée le soir, ma porte était effectivement à double tour, mais posée sur le bâti, c'était pas. Donc ma porte est restée ouverte toute la journée. C'est que des. Donc voilà, c'est. Ça par contre, oui, c'est tous les jours. Hein. Mais pour ma vie perso, c'est compliqué d'avoir des réponses. Il nous laisse un peu nous débrouiller. On est médium, certes, donc on est là pour apporter aux autres, mais on a une vie terrestre et on doit faire nos erreurs, on doit faire notre. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Tout à fait. Très bien, on va marquer une deuxième pause dans cette émission parce qu'on parle beaucoup, on va se un petit peu, boire un petit peu d'eau et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, si vous avez des questions dans le profil Facebook, vous y allez, on y répondra bien volontiers. À tout de suite. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir. Alors on a beaucoup de questions avec notre invité de ce soir, Maud Descamps. Vous nous avez posé des questions sur nos statuts également dans le live. Alors la question c'était de Philippe. Alors est-ce que le fait de toujours parler à ma maman, la rassurer, lui demander des signes, de penser constamment à elle, la bloque dans son avancée de l'autre côté? Ça c'est une question qu'on nous pose souvent dans les conférences. Ouais, très souvent. Ça peut empêcher l'évolution parce qu'il y a le en fait ça le mot va être fort mais ça alourdit en fait l'âme de la du défunt. Il a encore des choses. Alors c'est pas tous hein, il y en a qui peuvent partir et pas se retourner, enfin voilà, ça dépend aussi ce qu'ils ont fait dans leur vie, leur évolution, mais c'est vrai qu'en général de pleurer plus le chagrin, pas de parler hein, parler on peut et au contraire il faut parler hein, c'est juste moi je discute avec ma enfin je discute. Je parle avec ma grand-mère ou mes guides comme mes paliers de voisins, quoi. C'est important. Mais c'est le chagrin qui est lourd. Voilà. Mais c'est pas systématique. Mais je ne sais pas si ce monsieur a déjà eu, si c'est ce qu'on lui a dit, s'il a déjà fait un contact défunt avec sa maman. Et à ce moment-là, oui, si on lui a dit, c'est que c'est le cas. Mais c'est pas systématique. C'est pas, d'accord. Il y en a, ils se retournent, ils s'en vont, ils sont contents de quitter la Terre, ils savent, ils ont pris conscience que en fait ici on est là pour expérimenter et que c'est la vie, les difficultés, le chemin à parcourir, il faut le faire et puis ils savent que de toute façon on se retrouve donc ils font leur route. Hein. On a une question de Jean-Luc. Nos proches disparus depuis 30 ou 40 ans, peuvent-ils venir nous visiter, nous entendre quand on s'adresse à eux? Et même en pensée, ou bien ont-ils atteint des sphères si hautes qu'ils ne peuvent plus avoir de relation avec nous? C'est aléatoire, ça, en fait. Hein, ça dépend. Il y a des personnes, au bout de 40 ans, ils sont encore à la vibration de la Terre, parce que ça peut être, par exemple, des personnes qui étaient très, très matérialistes. Donc qui n'acceptent pas de quitter leur bien. Ça n'a rien à voir avec le temps. Il y a des personnes qui peuvent être décédées et au bout d'un mois être déjà sur leur chemin d'évolution. Et il y en a d'autres, 40, 50, même 100 ans, parce que de toute façon le temps n'existe pas. Hein. C'est, ils font ce qu'ils veulent. D'accord.
parce qu'ils peuvent, même ce qu'ils veulent, parce qu'ils créent leur réalité. Voilà, c'est eux tout seuls. On dit tout le temps, on parle du bas astral, des élévations, mais chacun, quand on part de notre côté, c'est pareil, c'est mon avis, de par mes expériences, ils créent leur réalité. S'ils se sentent, c'est comme s'ils étaient dans une substance gélatineuse, en fait, voilà, et ils en sortent et ils commencent à évoluer s'ils le veulent. Voilà, s'ils n'ont pas envie de passer à autre chose, ils ne passent pas à autre chose. D'accord. Mais même 40 ans, c'est vrai que nous, ça fait long, hein, 40 ans, on se dit, mince, ils ne pensent plus à nous. Mais de l'autre côté, c'est rien. C'est rien. C'est un battement, une vie, c'est un battement de cils, de l'autre côté. Donc, Une question qu'on a déjà eue également, c'est si la personne est déjà réincarnée. Ouais, est-ce qu'on peut encore la contacter? Après, il y a des moments, oui, parce qu'on peut contacter une âme de quelqu'un qui est vivant. Alors, c'est particulier. D'accord. Mais oui, ça se fait encore, mais c'est rare. On le sent. Moi, je le sens dans mes contacts défunts si la personne, on me le dit. Voilà. D'accord. Elle est partie. On n'a pas forcément de message dans ce cas-là. Il va y avoir des messages, mais ce sera un message des guides. D'accord. Voilà, pour dire, il y a toujours quelqu'un qui va, une énergie qui va répondre. Voilà. Et si c'est pas les guides de la personne, si c'est pas le défunt, c'est au moins nos guides. Voilà. Alors, comment connaître ces guides? Ah bah alors là, ça c'est une question, c'est un peu difficile parce que ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de le soir en fait, faut demander tout simplement le soir. On prie. Alors quand je dis prière, c'est pas se mettre à genoux. Voilà, chacun fait comme il veut. La prière est libre. La prière, c'est surtout l'intention et demander à ses guides tout simplement de faire, de s'identifier, de faire un signe, même pour un prénom, hein, s'ils ont besoin absolument d'un prénom. Faire la demande le soir et puis le lendemain ou faire attention les jours qui suivent, vous allez peut-être en allumant la télé voir un prénom ou entendre quelqu'un dans la rue qui parle de quelqu'un. Il y a un prénom qui va toujours se répéter, donnez-lui ce prénom-là. D'accord. Et puis les guides, il n'y a que nous qui pouvons, il n'y a pas vraiment de conseils. Moi je pense qu'il faut encore une fois descendre en soi, faire le vide dans son mental et puis laisser venir les images. Et il faut leur demander évidemment. Mais en général on a des réponses. Alors, il y a encore des questions. Je ne sais pas si tu les vois, Amy. Une question de Lalilou qui demande « Pourquoi avons tous, nous, êtres terrestres, une mission de vie ?» Alors, on n'a pas tous une mission de vie, à mon sens. Il y a des personnes qui ont juste à choisir entre le bien et le mal, tout simplement, par rapport à ce qu'ils ont fait dans une vie antérieure. Donc, ils ont juste à choisir, voilà, parce que c'est des personnes qui, quand il y a deux chemins, systématiquement, il y en a, ils vont partir vers le mal, ou il y en a, ils vont... s'interroger, dire non, voilà, je pars vers... la mission sert à une chose, c'est s'épurer, avancer dans notre évolution, et puis devenir de plus en plus pur, entre guillemets, et arrêter et cesser les incarnations, et soi-même devenir guide. C'est toujours pareil, hein, les missions de vie, on me pose aussi souvent la question, quelle est ma mission de vie? C'est un peu difficile de mettre un package comme ça, parce que ce qui est important, c'est surtout sur le chemin. Donc si quelqu'un vient et nous dit je veux connaître ma mission de vie, donc vous lui donnez un package, il l'a dans les mains, il peut pas faire grand chose. Moi je trouve que quand on est au début, quand on veut découvrir sa mission de vie, donc on est au point A pour aller au point B, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur le chemin que plutôt de sauter d'un coup et on vous dit vous êtes ça dans votre vie. On doit le découvrir. Il y a le libre important. Arbitre toujours. Quoi. Toujours. On peut toujours nous dire, vous allez être, vous êtes boulanger, etc. Et faire complètement quelque chose d'à côté. Il faut qu'on ressente aussi un peu son parcours et ce qu'on a envie de faire. Oui, ses envies. Moi, quand je suis en consultation de voyance, guidance, tout ça, je dis aux gens, moi, ce que je vous dis, allez, vous en prenez 80%. Il y a 20% qui vous reviennent. Si je vous dis que dans deux semaines, il y a un pont qui vous tombe sur la tête, dans deux semaines, on ne se trouve pas sous le pont. Ce n'est pas parce que je vous l'ai dit que ça va arriver. Ouais. Ni ici ni de l'autre côté, il n'y a personne qui a le droit d'intervenir dans le libre arbitre. D'abord, dans les guidances, c'est ce que je dis souvent, les gens me disent je ne sais pas quoi prendre comme décision, je me sens seule, mes guides ne m'aident pas. C'est parce qu'on est comme assise dans un fauteuil, il y a plusieurs portes devant nous. C'est à nous de nous lever, d'ouvrir une porte. Là, après, ils nous mettent les choses sur le chemin. Ce n'est certainement pas les guides qui vont venir et qui vont ouvrir une porte. Là, c'est faut se bouger les fesses quand exactement. Même. Exactement. Hein. Ça ne va pas tomber du ciel. Ah ben non, voilà. Là, faut un peu rêver. Hein. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, je pense. C'est pas le concept de la vie terrestre, on dirait. Oui, bien sûr. Alors, il y a d'autres questions, je crois. Gladys qui demande si vous utilisez un pendule. Pour le taux vibratoire, oui. Mais le pendule, je ne l'utilise pas plus que ça, en fait. D'accord.
plus que j'ai pas d'affinité avec le pendule. J'en ai, hein, mais il y a des moments. Et d'ailleurs, pour le pendule, parce qu'on m'a posé la question cette semaine, on me dit tout le temps, oui, mais le pendule, c'est moi qui le fais bouger. Alors j'ai envie de dire oui, mais c'est votre moi intérieur, c'est votre moi profond, tout simplement, parce que il connaît les réponses, voilà, tout simplement. Donc c'est sûr que c'est particulier le pendule. Ouais. J'ai une question qui me vient, c'est comment reconnaître un bon médium? Donc on parle du mauvais, enfin du bien et du mal, mais il y a des bons médiums qui peuvent tomber quand même dans trop d'ego et de profiter aussi de leurs facultés. Ouais, ma faiblesse. Alors c'est comment comment les repérer, comment faire attention? Bah, alors c'est surtout, il y a une chose, alors j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des bons médiums, des mauvais médiums, comme il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Maintenant, les mauvais médiums sont là aussi pour faire apprendre et pour donner des leçons aux personnes qui les consultent. Parce que moi, je vois les personnes qui viennent en consultation, viennent pour chercher une chose, et à chaque fois qu'on est guidé vers un médium, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette personne, dans cette médium, parce que la vibration, elle est pareille, ou voilà. Donc, les gens qui vont vers des mauvais médiums, comment dire, c'est parce qu'ils ont une leçon eux aussi à apprendre, hein. Ça, c'est chose certaine. Bon, malheureusement, il y en a vraiment qui sont très mauvais, qui abusent, même, enfin, ça peut aller très très loin. Encore une fois, faut utiliser son intuition et son ressenti. Faut s'écouter. C'est la petite voix qui arrive, parce que l'intuition, elle arrive ici, hein. Enfin, c'est au niveau, il faut vraiment s'écouter, et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, tout simplement. C'est ce qu'il faut se dire. Ou quelqu'un qui vous propose un abonnement, faut aussi. Simplement. Il y en a qui vont dire, ah, revenez la semaine prochaine, j'aurai peut-être une autre réponse, et ainsi de suite. La consultation, moi je dis que c'est une fois tous les ans. Bon, il y a des personnes qui ont besoin de venir beaucoup plus, mais là, à ce moment-là, moi je leur dis non. Voilà. Ou alors on part dans du coaching et du développement personnel, mais certainement pas en médiumnité et voyance. Après, c'est trop de. Ça devient du business et c'est plus ça. C'est plus après les mauvais médiums, ce sont aussi des personnes qui sont beaucoup dans l'ego, parce que la spiritualité, tout à l'heure j'en parlais, mais c'est pas systématique médiumnité et spiritualité. C'est ça qui est dommage, parce que derrière la spiritualité, il y a de la compassion et de l'amour. Et d'ailleurs, des mauvais médiums, il y a de l'ego. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix. Moi, je vois qu'il y a des moments, je récupère des personnes, hein, qui me disent, bon, j'ai rencontré cette médium ou cette voyante. Peut-être qu'il y en a qui disent de moi, mais dans un autre registre, de toute façon, c'est comme ça. Mais, qui me disent, elle m'a fait peur parce qu'elle m'a dit, ça va se passer comme ça, ou c'est, mais je dis, le pouvoir, il est dans vos mains, hein. Il y a personne qui va vous dire, si vous avez pas envie, moi, je dis tout le temps, dans mes consultations, si ce que je vous dis, ça vous plaît pas, génial, changez-le. Voilà, tout simplement. C'est pas. Donc, mais pour les mauvais médiums, ouais, se fier à son intuition. D'accord, merci. Il y avait d'autres questions. Oui, bien sûr. Je vois pas. Alors, il y avait une question de Philippe qui demandait est-ce que l'impression de recevoir des signes très souvent, des hasards, des coïncidences, est-ce que c'est un signe de début de médiumnité? Alors, le hasard et la coïncidence n'existent pas. C'est le passage incognito de Dieu ou des guides selon les croyances. C'est comme le petit poussé, hein, ce que j'ai expliqué. Voilà, c'est pour faire voir, ben, t'es capable, avance, prends confiance. Et puis, voilà, ça peut être le début de signe de médiumnité. D'accord. Oui. C'est qu'on parlait tout à l'heure des heures miroirs, etc. Bon, après, il faut pas tout prendre non plus pour si une porte claque, ça peut être tout simplement un courant d'air. Et moi, je dis et je conseille tout le temps d'abord, parce que je le fais, je rationalise tout. D'abord, j'écarte tout ce qui peut être terrestrement possible, hein, une porte qui claque, par exemple. Voilà. Je regarde si les fenêtres sont pas ouvertes, je regarde s'il y a pas un enfant, tout ça. Une fois qu'il y a tout est écarté, on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose. Voilà, mais il faut pas tout de suite. Sinon, on se perche vite et on se perd vite. Et à ce moment-là, c'est dangereux, parce que du coup, on perd pied, on n'a plus d'ancrage. Et si on n'a plus d'ancrage, on va se choper les énergies, les entités du. Enfin, j'aime pas ce mot, mais du bas astral, qui vont un peu jouer avec, avec vous, en fait. Et on rentre dans un cercle vicieux. Et après, il y a des gens qui sont très, très haut perchés et qui n'arrivent plus à redescendre. C'est compliqué. Il faut garder la tête sur les épaules. Hein. Et d'ailleurs, dans la médiumnité, la chose la plus particulière, c'est paradoxal même, je dirais, c'est que pour avoir la tête dans les nuages, j'ai envie de dire, avec eux, bah, faut garder les pieds sur terre. C'est le meilleur moyen de bien avancer. D'accord. On va marquer une petite pause, la dernière pause de cette émission. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite.
De retour dans cette émission Enquête Spirituelle pour cette dernière partie de cette émission. Si vous avez des questions, eh bien c'est toujours sur le live Facebook. Vous pouvez également nous écouter en podcast via iTunes et sur notre chaîne YouTube où la vidéo sera en ligne dès demain. Pour ceux qui nous regardent en direct, comme ça vous avez toutes les infos. Donc, alors, on revient avec notre invité de ce soir, Maud Descamps, qui est médium. Et il n'y a pas d'autres questions là avant de poser les dernières questions? Non, c'est plutôt des remerciements. Beaucoup de remerciements, c'est qu'on a. Des beaux compliments. On vous remercie aussi les auditeurs pour notre invité. Alors, ben, les personnes qui veulent vous contacter, justement pour prendre un rendez-vous, une consultation avec vous, vous êtes où? Alors, je suis sur Facebook, donc c'est mon nom et mon prénom, hein, donc Maud Descamps. En dessous, vous verrez, il y a Maud Médium, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs Maud Descamps. Sinon, mon site, c'est www.maudmedium.com. Et voilà, donc vous m'envoyez un mail, hein, parce que de toute façon, tout est sur mon site, vous n'avez juste qu'à envoyer un petit message, et puis voilà, ça sera transmis sur ma boîte mail. D'accord. Voilà. Et donc maintenant que vous vous assumez et que vous êtes installé en tant que médium, comment ça se passe? Ça a changé des choses dans votre vie? Ça a changé, oui, beaucoup de choses. Bah, déjà de s'assumer, c'est ça fait du bien parce qu'en fait je me sens moi. Mmh. Et puis je me suis dit tant pis, je m'assume. Donc j'ai perdu des gens sur mon chemin, évidemment, parce qu'une fois qu'on s'assume, c'est il y a des gens c'est où ils vous trouvent bizarre ou et après je veux dire il y a une c'est naturel, j'ai envie entre guillemets oui. La sélection puisque on est vibratoirement différent. Et comme on n'a plus la même vibration que les personnes, ben voilà, ça reste. Ça. Les personnes restent à quai, nous on avance, ils prennent leur chemin, enfin voilà, c'est comme ça, mais on rencontre d'autres personnes et puis c'est tout aussi bien. Hein, c'est pareil que les guides tout à l'heure. Hein. Voilà, oui. Sur Terre, c'est pareil, on a des gens qui nous quittent et puis voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, il y a une dernière question sur le. On va dire la dernière parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps après. C'est de Jean-Luc qui nous pose une question. Alors, lorsque je suis en prière ou en méditation ou en pensant fortement à un cher disparu, je ressens très souvent comme des caresses sur les parties de mon corps, les têtes, les jambes. Un peu une caresse comme une plume. Y a-t-il une relation avec la personne à laquelle je pense ou non? Bien sûr, faut être dans ces cas-là, faut être dans l'accueil. Hein. C'est voilà, si vous êtes sûr de ce que vous ressentez, faut juste accueillir. Hein. Mais de toute façon, c'est ça aussi dans la médiumnité ou même là, bon, je sais pas si ce monsieur est sur le chemin de la médiumnité, mais tout le monde reçoit des signes. Faut juste accueillir et puis pas se prendre la tête. En fait, je pense que voilà, bon, c'est sûr, comme on dit tout à l'heure, tout n'est pas signe non plus. Hein, mais faut être dans l'accueil. Voilà, ça c'est le meilleur moyen pour bien avancer dans la médiumnité. Et c'est une petite chose que je voulais aussi préciser, c'est que faut éviter surtout de se comparer aux autres dans la médiumnité. Je parle pour les personnes qui, même comme moi, hein, qui sommes installées ou les personnes qui sont sur le chemin, c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Parce que on est tous différents, on a un fonctionnement différent. Et si on se dit je veux voir, je veux entendre, mais que les guides qui nous sont attribués n'ont pas cette façon de communiquer, ben ils vont rester, ils vont vous regarder, voilà, ils vont vous regarder patauger dans la semoule. Vous allez faire plein d'erreurs et vous allez faire pour arriver, pour passer votre chemin, ben vous allez faire plein de détours. Et voilà, donc pas se comparer aux autres, c'est important. On est tous différents. Parce que tout à l'heure, la clairaudience, clairvoyance, clairsentience, tout ça, c'est juste un moyen avec lequel le message est transmis. Donc, c'est pas l'un n'est pas meilleur que l'autre, tout simplement. Ce qui est meilleur que l'autre, c'est la personne, la façon dont c'est fait. Si on travaille avec amour et compassion, voilà. Comme dans tous les domaines. Exactement. Voilà. Ça, il n'y a rien qui change. Et ce qu'on avait également précisé dans notre conférence débat, c'est que même les médiums, donc des gens bah comme vous et d'autres qui avaient des facultés, vous n'êtes pas non plus supérieurs à nous. Mais certes, mais il y a plein de gens qui idolâtrent et du coup, s'imagine que vous êtes supérieurs, vous détenez la vérité et ils partent dans. Non, on est juste sur un mauvais canal. Chemin, je pense. On est juste un canal. Moi, quand j'ai des messages, je les transmets. Bah, c'est tout. Enfin, je trouve pas. Je trouve rien de sensationnel en fait. Je peux pas expliquer. Enfin, je sais pas. Il y a rien de. Ce qui est sensationnel, par contre, c'est le bonheur que je reçois des gens dans la consultation. Ça, par contre, j'ai une boîte de mouchoirs sur mon bureau. Je vous assure que je suis contente quand ils les prennent. Non, mais j'aime pas voir les gens pleurer. Mais ça me nourrit en fait. Voilà. C'est ça qui me nourrit plus que ce que je reçois. Enfin, c'est juste, c'est magique. C'est une nourriture spirituelle.
Très bien. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à Maud d'avoir été avec nous ce soir. Donc, merci, votre site www.maudmedium.com, oui. C'est bien ça. Donc, vous pouvez la contacter ou via notre page Facebook. On partagera tout ça. Alors, l'actualité de l'association avant de se quitter. Il y a la conférence la semaine prochaine. Non, dans le 23 avril. Voilà, tout à fait. Donc, sur les fleurs de Bac et fleurs du Bush australien avec Gaël Renard, qu'on a déjà reçu en émission radio et qui viendra tout donc en Belgique en conférence. Présenter donc les différentes fleurs, comment ça fonctionne, voir ce qu'on peut soigner, guérir, etc. Oui, il y aura de la matière. Et Laurence Carpentier qui viendra nous rejoindre pour la partie médiumnique. Donc je crois que tu connais Laurence. Oui. La rencontre de mon parcours. D'accord. Ensuite, on est en train de finaliser la prochaine revue, oui, donc qui sera disponible pour la prochaine conférence, je pense. On y travaille. Avec beaucoup d'articles intéressants. On aura un article sur l'EFT. Voilà, avec Stéphane Alès. Qui est très, très, très intéressante et qui marche très bien. Donc, vous allez voir un petit peu ce que c'est. Vous avez l'astrologie avec les tendances actuelles pour les trois prochains mois. Tout à fait. Il faudra s'accrocher. Ouais. C'est du costaud. Muriel Mob qui nous fait une synthèse de tous les articles qu'elle a fait avec nous. Donc, elle nous reparle des différents penseurs d'outre-Atlantique. On a également la numérologie avec Emmanuel Marseille, donc tout la suite de la rubrique. Ensuite, on aura le pouvoir de la gratitude avec Julie Arzé. Oui. Et on va également parler de l'association, les buts, nos pensées, un peu notre conférence débat qu'on va remettre à l'écrit pour nos lecteurs qui sont loin de la Belgique. Oui, bien sûr. Voilà. Mais merci Émilie aussi. Merci à toi Laurent pour la technique, pour tout ce que tu fais, le visuel et tout. C'est du boulot, hein, vous voyez pas tout là, mais il y a plein de manettes là derrière. Ouais. Merci aussi à notre invité de ce soir, dont je rappelle Maud Descamps, qui était notre invité de ce soir. Alors, vous nous réécoutez demain donc sur YouTube, sur notre podcast iTunes. On vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée.